Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fire, j'espère que vous allez bien. Et nous continuons cette magnifique série de vidéos sur ce magnifique jeu qu'est Against the Storm. Je suis totalement in love. Alors, on avait pu terminer Autoroute et vous faire découvrir le verger carmin. Alors on a pu découvrir le torrent corrosif qui est une altération la plus particulièrement toxique dans cette région. Aucun remboursement des ressources n'est accordé après la destruction d'un bâtiment. C'est une légère difficulté. Moi, j'ai tendance à attaquer les altérations parce qu'il y a toujours un achievement, quasiment, genre 100% du temps, pour être tout à fait honnête, qui nous donne de l'expérience supplémentaire. Donc, je trouve ça drôle de chasser l'altération, même si elle est négative. Alors, par contre, les bois royaux maudits, on n'avait pas eu... on a eu l'occasion dans le premier cycle, mais ça contrecarène au plan. Donc on avait dû zapper les bois royaux maudits. Et là, je vois que, boum, bois royaux maudits, juste à côté d'un torrent corrosif. Donc c'est un biome qu'on n'a jamais fait avec les marais, mais bois royaux maudits, il y en a... On a vu qu'une case. Alors, les effets supplémentaires. Alors, le torrent, c'est ce que c'est. Champ de bataille maudit, effet de biome. La forêt a pris une nouvelle forme. Il est impossible de reconnaître le danger des clairs et leur taille a été uniformisée. Donc, traduction, les ordinaires font la même taille que les interdites. Donc, on essaiera de débloquer ce qui est le plus proche. 1-1, doucement, voilà, histoire que si c'est une interdite, bah on... Bah on serre les dents. Mais de toute façon, plus on va loin, plus on a de chances de rencontrer des interdits. Pas toujours, mais quand même. Donc je pense qu'avec cette stratégie, on devrait être bon. Esprit déchaîné, effet de biome. Beaucoup de sang a été versé sur ces terres au cours de la Grande Guerre Civile. Des esprits déchaînés errent dans la forêt. Alors c'est du vert. J'ai aucune idée de ce que ça fait. C'est quoi? C'est des alliés? C'est un bonus? Je ne sais pas. On reste en difficulté 3, moi ça me convient. Alors on a le choix entre 2 humains, 7 harpies, ou 9 harpies. On a beaucoup plus de nourriture si on prend le premier. On commence avec des brochettes, on a 30 champignons de plus. On commence avec du bois, mais ils ont des céréales les autres. Ah mais on a 2 pop de plus, groupe de nouveaux arrivants. Première caravane, je pense que c'est la base. Ok. Comment on pourrait appeler notre colonie? Stalingrad. Eh, c'est un champ de bataille où il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Oh mon dieu, ça y est, je vois la démonétisation. Enfin, la monétisation partir. Salut. Tac, tac, tac. Région maudite des bois royaux qui est tentée par les âmes perdues des guerriers ayant péri durant la Grande Guerre Civile. Tiens, c'est drôle. La tempête est particulièrement dangereuse dans cette contrée et la forêt est plus hostile que partout ailleurs. Sa Majesté la Reine récompensera grassement chaque émissaire qui viendra coloniser cette partie du monde. Ok. Quelles sont les ressources naturellement présentes? Il y a de l'argile. Reprenons. Est-ce qu'on prend de la pierre? Ah, on a accès... Ah, c'est la viande, c'est 30. Les autres, c'est 20. Pour le même coût. Par contre, les légumes, ça coûte 2. Ah bon. Bon, la viande, hein, direct. Et si on prend viande, racine, tu commences avec 70 de nourriture. C'est pas mal, hein. Ok, ça me convient. C'est parti. Ok. En bonus, qu'est-ce que nous avons? Richesse inexploitée, mystère de la forêt simple. Les colons ont 50% de chance de collecter des ressources en plus quand ils exploitent les dépôts de ressources. Oh, c'est génial! Toujours ténèbres grandissant. J'ai l'impression que c'est de base, ça, en fait. On l'a toujours.
Sol bourbeux, la vitesse des villageois hors des rues est réduite de 30%. Oh. Ah, la grêle, ok, faut vraiment héberger tout le monde. Ah, là, c'est 1, 2, 3, 4, c'est logique, ça va de pire en pire. Vent perçant, les vents particulièrement violents rendent l'entretien de la Sainte Flamme très difficile, l'efficacité des combustibles est réduite de 200%. Oh. Mutation de la calamitite, ça on n'a jamais vu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on n'a jamais vu. Oh, les bois sont trop stylés! Oh, on commence avec... dépôt d'insectes... lin... légumes... camp de bûcherons... Ah ouais, elles font toutes la même taille. Oh, on va attendre un peu avant d'ouvrir des clairières. Arbre mourant. 10% insectes, fibres, racines. Ah ouais, du coup, c'est partout les mêmes arbres. Ouais. Ok, donc... difficile de mourir de faim. Donc, on va creuser... creusons ici et là. Tac, et on met direct. Éviter les clairières sauf si celles-ci sont marquées. Pas de castor, hein. Et nous avons eu deux humains supplémentaires. Parce qu'au lieu d'avoir deux humains et sept harpies, on a eu 4 et 7. C'était dans le bonus. Oh, oh, le choix supplémentaire sur la réputation, par contre, il fait le café. Camp de chasse pépinière. On peut faire de l'huile dans la presse. Je sais même pas comment on fait l'huile. J'ai jamais tenté. L'huile. Céréales, viande, légumes, lin. D'accord. Ah, du coup, ce serait peut-être pas mal, lui, là. Après, ça demande des briques. Sinon, on peut améliorer le camp de chasse. Allez, camp de chasse. Pourvoirie, tailleur, apothicaire, maison des harpies. Alors, on l'a pas encore débloqué, ça. Manteau, corne, notre farine. Eh oh. On joue les harpies, en vrai, les cosmétiques... Après, ça demandait pas genre des pigments ou des trucs comme ça, bien, bien vénère. Farine tonneau. Allez, manteau. Boulangerie cuisine. Oh, ça va être une partie très difficile. On n'a aucun bâtiment qui produit genre briques, briques tissu, planches. Donc tout ce qu'il faut pour les bâtiments de base. Ça va être compliqué. Viande séchée. Waouh. On est serré en plus, hein. Quand chasse, si c'est amélioré ou pas, ça améliore. Nickel. Ok. Il me faut 4 heures déjà. Okay.
Pilier, sac de céréales, production de céréales est augmentée de plus 1, truc 25 cibles de production. Tenez 5 pigments pour chaque production de 10 insectes, ça c'est pas mal. Deux camps de bûcheronnage, 30 bois. Ok, ça, ça se fait tout seul. Par contre, j'avoue que les nouveaux arrivants disposaient d'au moins 6 harpies pendant 30 secondes. Ok, ça se fait tout seul. Super. Juste besoin de les maintenir. Événement dangereux résolu. Résolvez deux événements de carrière dangereuse ou interdite, quel qu'il soit. Ok, on va éviter de jouer trop de pop, hein. Parce qu'on a déjà commencé avec 11. Ah putain, j'ai encore pas construit de comptoir de commerce. J'ai encore failli commencer une partie sans sans faire un putain de comptoir. Bon, il n'y a pas la place, hein. Mais quand même. Attends, si je le déplace. Des bancs. Non, ça coûte que du bois. On va aller voir la mission d'Harpie quand on aura atteint 20. On va plutôt mettre une humaine, s'il vous plaît. Au feu, parce que je pense que la partie va être longue et j'aime pas le bonus de l'harpie, je trouve ça un peu naze. Par contre, la jauge d'impatience qui se remplit 25% plus lentement quand tu mets un humain, ça par contre j'ai un petit kiff, hein. Je dois avouer que ça va falloir les boss là où ça met toute une plombe là, les trucs super galères, j'appelle ça à chaque fois. Station très primitive. Oh, puis alors ça pour. Ça monte à 1 et on valide la mission. On récupère quoi comme récompense? 20 manteaux et un camp d'herboristes. Ok. Ranch. Comment ça fonctionne le ranch? Ne peut être déplacé. Taille 3 sur 3. Ah putain. Ah mon dieu, ça. Ah d'accord. On balance des fibres pour faire. Ah oh, c'est trop bien le ranch. Mais la maison des harpies, ouais. Ah oh, c'est. Oh, c'est 4 tissus. Oh là 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 là. On n'a pas de champ pour le moment. Allez, ranch. Si on n'a pas la place. Allez, les bâtiments sont pas. Hein. C'est pas ouf ouf. Hein.
On a eu que des mauvais trucs, quoi. L'avantage, c'est que la bouffe n'est absolument pas un problème. On est parti pour la première tempête. Je pense à l'event où déplacer des bâtiments ça coûte. On récupère pas les ressources, c'est monstrueux en vrai. Parce que les cabanes de bûcherons, tu passes ton temps à les bouger dans ce jeu. Pilier. Paisez la forêt de visibilité de 50 points dès lors que vous résolvez à deux événements dangereux ou interdits. Ok, ça c'est super sympa dès le début. Contrebandir un plan, obtenez 3 tonneaux pour chaque production d'une planche. On va apprendre à paiser la forêt. Deux humains, une harpie. Ou deux harpies. Je vais prendre le deux humains. Peut-être qu'on chopera les lézards. Hein. Est-ce que je lance le camp de chasse? Oh, la bouffe, c'est pas vraiment un problème. Aide-moi, fallu, Fleuvieux. Tonneau plus de la production. Vitesse de déplacement des villageois est augmentée de 10% sur les rues. Oh mon dieu, c'est génial. 10 ans, là. 12,5. Faudrait que je vende des composants. Du reste, les planches, ça me ferait gagner du temps, mais rien d'autre. Faut 10 ans pour valider la mission. C'est quoi la récompense du comptoir? 5 composants. Ok, on vend nos composants. Patience de la reine. C'est bleu. Allez, un plan, s'il vous plaît. Cuisine, tonnellerie. Ah, planche. Ouais, planche et outils simples.
C'est bien, déjà on est sauvé pour les planches, avoir le reste. Avoir 50 céréales, hein. 10 charbons, 10 ballots. Ouais, 5 humains, je vais avoir du mal à gérer. Hein. J'évite la population. Résolution des harpies, plus de production des brochettes. Parce que plus t'as de pop, plus faut gérer les bâtiments. Les bâtiments qui coûtent. Enfin, les bâtiments. Les maisons appropriées, donc tu perds de la résolution. Et bêtement en plus. Très très bêtement. Tu veux commencer long de faire des pauvres ressources. De pauvres tissus. Bientôt les planches, bientôt. Soon, soon. Oh, la brume qui change en plus. Trop stylé, quoi. Ah, j'ai pas les planches. S'il vous plaît, faites des planches. Nouveau la charpenterie. Genre ça urge. De faire des planches, ça ne fait rien. Tempête, sauf bourbeux. On va tout ramasser tous les légumes. Résolution faible. Et double ténèbres, ça fait mal, hein. C'est en train de se casser. Enlevons des bûcherons. Juste le temps de la tempête. Juste le temps de la cathédrale. Il va falloir explorer. Pilier de moi. Obtenez une ancienne tablette dès lors que vous résolvez deux événements de clairière. 5 pigments pour les productions d'insectes. Est-ce que comme troisième race on veut des castors? En vrai on a réussi à survivre au plus dur. Hein. Je préférerais avoir les orgues. Mettons.
Ouvrons celle-là en priant que ce soit pas une interdite. C'était une ordinaire. Dieu merci. Une petite cache en plus. Oh, pas d'outils, merde. Ah, c'est du bon. Par contre, il y a des sols fertiles. De l'ouvrir une autre en vrai. Ce marchand qui arrive dans peu de temps. 3-13. C'est jouable. On a des sans-abri. Vite, faire des maisons. Maison pour l'humain, c'est la galère. Hein. Pas pour tout de suite. T'as les games sans castor au début, c'est... C'est chaudard, hein. Sécher. Oh, easy ça. No brain. Hein. Voilà. Explorer 3 clairières, c'est un peu plus compliqué. Non, je fais jamais les aliments saumurés. Soulever 20 poteries chaque fois que vous découvrez une nouvelle clairière. C'est un peu cheapo, en vrai. Sans ce... les outils, on en fait déjà. Ah bah allez, si on prend ça, c'est vraiment parce qu'on est sur le point d'ouvrir un clair. Merde, c'est inordinaire. Sol fertile, petite cache abandonnée. Pas les outils. D'ailleurs, je vais regarder. Merde, ça c'est une négociation. Il me semblait avoir le bâtiment pour faire les outils. Si, si. Ah, c'est juste, on n'a pas le, de quoi faire les lingots. Ah, merde. Ah, merde. Dans le récupérateur d'eau de pluie. Non, on n'en a pas. Je compte sur le commerce pour me sortir du... Et du coca. Racine fragrante. Obtenez 3 encens pour chaque production de racines. C'est pas mal ça. Après des racines...
on a pas. Donc c'est pas ouf du coup. J'ai pas les plans pour les céréales. Putain, c'est chaud. Hein. Ils vont pas d'outils. Tissu, herbe, herbe. Ils vont pas d'insectes. Ils vont de la viande par contre. Non, mais on va. Non, ça m'intéresse pas. Ça déséquilibrerait le peu que j'ai. Ressources qu'il faut, pas d'argile, pas de pierre. C'est sûr que le jeu devient très très dur. Putain, pourtant on a exploré deux carrières histoire de pas tomber à court de dépôt de ressources. C'est con le voyage sur les chemins là, j'aurais trop kiffé l'avoir. Quand t'as pas de thunes, t'as pas de thunes. Hein. C'est la tempête. C'est bon. À chaque fois j'ai peur de la grêle qui massacre tout le monde. Ah non, 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 on va pas commencer les briques. Il faudrait un dépôt d'argile en vrai. Pilier. Ouais, blanche, on s'en fout. Baptême du feu. Réduit l'hostilité de moins 10 points par palier de 3 kistes. Un autre apaiser la forêt? Eh ben. Je suis obligé de prendre des castors. Et ben tout ça pour ça. Ok, je propose d'ouvrir la clairière ici. Uniquement parce qu'elle est proche et qu'on est en. On est en brune. C'est le moment d'en profiter, traduction. On a reçu des nouveaux habitants. T'as fait chier, je comptais sur les lézards là, perso. Les âmes et tout le brouillard de guerre. Hein. Putain, les devs se sont vraiment fait chier. Hein. Qu'est-ce que ça doit être sur des cartes grandes? J'ai toujours joué en difficulté 3 après mes deux premières games. Chasse aucun dépôt à proximité. Heureusement que j'ai pas attendu d'avoir des lézards.
Et du coup, on peut faire des maisons pour Castor. Hey, that's pretty good. Maison pour humain. Bon, ça saoule, hein, mais il va falloir y passer. Hein. Jamais les ressources, surtout l'argile. Mais allez, mais vous allez ouvrir cette clairière, putain. Hein. Totem de déni. Les hommes poissons détestent le feu et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l'éteindre jusqu'à la dernière flamme du monde. Empêche les sacrifices marchandises du foyer. Trop simple. Oh, par contre, je peux. Heureusement que j'ai été ramassé de la moelle marine. Durée de la tempête est augmentée de 100%, mais celle de la ruine de la camille réduite de 50%. Mon dieu, mais les pénalités sont terribles dans ce jeu. Convertir. Chefier de totem confère un bonus de résolution globale. Oh, c'est génial. Plantation. Ouais, plantation, on va reconstruire. Parce qu'on a plein de terres agricoles mais qu'on peut pas exploiter. Ok, c'était une dangereuse, hein. C'était pas une interdite. Niveau mine. Aucun film. Grand dépôt d'insectes. Ça, c'est sympa. Il y en a qui vont briser ici. Et l'autre de l'autre côté. Essayez de faire de la place dans ce merdier là. Oh putain, on a un sans-abri, sérieusement? Mon agrès n'est pas activé. Mission. Posséder au moins 20 décorations de type harmonie. Wow. Plus rendement de production. Monastère. Monastère en sang. Colonie religieuse. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Tenez plus 1 de résolution pour les humains. Pour chaque production, 70 en sang. Wow. Attends, harmonie, décoration harmonie. Ça demande des ressources de ouf, harmonie. On va prendre l'encens. Décoration. C'est harmonie, ça, non? Ouais, alors décoration. Esthétisme. Une fougère de nuit. Zone qui masse quand même. On peut faire une plantation de malade. Hein. La tempête arrive. Hein. Oh, le marchand qui arrive juste avant la tempête.
Grande cueillette. Augmente la vitesse de production de nourriture globale de 20%. Guide de survie. Ah putain, c'est génial. Ça, on va avoir un. Il m'en faut combien? 17. En vrai, ça fait mal, mais. Je pense que ça les vaut. Hein. Si la bouffe, on est globalement bien. Je devrais interdire à ma population de manger des insectes. Je peux pas faire des brochettes s'ils mangent des insectes. Allez, on va en prendre 200, j'imagine. Ou même plus que ça. Eh ben. Après, c'est un bonus de prod sur la bouffe. Ouais, on va interdire à tout le monde de manger des insectes. Insectes et viande, n'en mangez pas. Nourriture complexe, plus 5. Ah ouais, tu vois les détails de chaque bouffe sur chaque personne. Ah, j'ai bien fait de l'ouvrir ce machin. Parce que c'était la viande séchée, hein, c'était pas les brochettes. Je me suis peut-être planté. Ouais, c'est la viande séchée. Insectes et viande. Ouais, 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 parfait. Ça me convient. Oh putain, et puis il y a la grêle. C'est bon, il n'y a pas de sans-abri. Oh, l'air pif, faible résolution. Oh, on va vite baisser le danger. On va enlever des bûchons. Ça, c'est bien. Ça fait les travers qui me manquaient pour construire les maisons, les chemins et ce genre de choses. Réussi à faire une maison pour humains incroyable. On a eu la patience de faire tout le tissu. Les briques, pardon. C'est ça qui est bleu. Mais comment on a eu l'argile? Ah, c'était. Ah, c'est peut-être dans des petits dépôts. Ah, peut-être où tu peux choper de l'argile. Ouais, ça peut être que ça. Il y a de la pierre. On peut choper de la pierre dans le dépôt de... C'est ça. Non, mission, c'est bon. Combustible avancé. Biscuit. Oh. Ok, combustible avancé. C'est le moins pour... C'est le moins pour... Accepter des gens. Plus de castor. Full castor dans les bûcherons. Il y a encore des caisses de verre là. Hein. C'est impressionnant. Tout ce qui est construit dans le jeu. De le déplacer. Si j'avais su, je l'aurais mis un peu plus milieu là. Après, oh, peut-être pas. On verra. On surveille. C'est vraiment con qu'on ait pas les maisons pour harpies. Niveau maison. Maison pour castor.
pas ouvert depuis rien. Putain, les plantations quoi. Heureusement qu'on a trouvé une plantation à rénover. Ça augmentait la résolution. Totem de déni. Plus 3. Waouh. Ah. Allez, maintenant c'est un relais. Paf, des briques en plus. Production de planches augmentée. Amputation plus 1. On couvre de tissu. Cirrus. Pas méga intéressant. Par contre, la tannerie. La tannerie, je dis oui. Essayer de faire une route qui va. Qui traverse tout ça. Qui va jusqu'à la plantation. Ok, tissu, on n'a plus besoin. Faites que les briques maintenant. Encore 3 cases. Il y en a encore une. Une la tempête. Ok. On a des abris. La résolution va chuter. Okay. Personne se casse, c'est ce qui compte. Alors. Des ballots, des ballots, des ballots. Putain de merde. Je veux esquiver la population. Les routes commerciales sont 40% plus rapides. Mortier, pilon, production de baies. Disposer d'au moins 22 harpies. Oh putain. Achever 16 routes commerciales. Jamais je vais le faire ce machin. Jamais. Chaque fois que vous découvrez une nouvelle clairière. Durant la mission. Faudra une taverne. Je pourrais combler loisirs et savates des harpies. Ou alors la maison des harpies. Voilà ce qu'il me faudrait. Faut que je fasse une claire, faut que je clean, j'open et que je clean deux, ouais, deux clairières, ce serait must. Caravane fréquente. Procès 3, la résolution globale pendant 60 secondes. Ah, ça c'est temporaire. Commerce protégé. Chaque fois que vous vendez l'équivalent de 25 unités d'ambre. En marchandises, réduisez l'hostilité de 15 points. Complètement. Complètement. 3, 2, 4. Il faut avoir 22 harpies, hein, c'est ça. On va se concentrer sur les harpies.
Parfait, le marchand arrive. On a des petites caches à ouvrir. On a les outils. Je vais... On va attendre d'ouvrir avant de dépenser et de commettre quelque chose qu'on va regretter. Ah, les insectes, franchement le fumoir c'était une bonne idée parce que les arbres peuvent donner des insectes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Grande caravane détruite. La solution globale moins 7. Ok. Ça donne beaucoup de choses. C'est bon, ça va pas faire rage quitte les gens. On va envoyer la citadelle. Il me faut de la répute. Sinon la reine va s'impatienter. Oh. Fantôme d'un humain empoisonné. Nous ne tolérons plus la présence de ces plumets ôtés dans notre colonie. Que tout le monde connaisse la vérité et sache qu'une alchimiste harpie nous a empoisonnés pour s'emparer du pouvoir. Oh. 30 moelles marines, vous êtes sérieux? Interdisez à vos villageois de pourvoir aux besoins savants de propreté et brochette pendant 600 secondes. Condition. Attends. Condition pour terminer un événement, vous devez livrer des marchandises spécifiques ou survivre aux effets hostiles pendant un certain temps tandis que l'événement est en cours de résolution. Parfois, ces deux conditions doivent être remplies. Faut faire les deux. Récompense. Coffre fantôme. L'esprit vous récompensera pour avoir réalisé sa dernière volonté. Le contenu du coffre est inconnu. Eh oh! Putain, faut faire les deux. Remplissez la requête. Ah, faut voir les ressources. Ah mon dieu! On a 30 minutes pour le faire. Ils ne trouveront jamais la paix. Tuez 3 villageois harpies. Si vous n'accédez pas à la requête de cet es... De l'esprit tranquille, attend celui-ci disparaîtra. 100%. Wow, attends, c'est chaud! Attends, harpie, savate, propreté, brochette. Ah mais c'est bien, on fait pas ça. De toute façon. Alors, savate, brochette. C'était propreté aussi. Ah putain, c'est 10 minutes. C'est vénère quand même. Hein. Ouais, la citadelle direct. Ok. Eh bien, l'argile. L'argile, on galère. L'abattage augmenté, ça c'est bien. De rosé crissé pour 10 baies. Forge, outil simple. Ballot de marchandises de commerce, ça m'aiderait à faire une quête. Et faire des outils plus rapidement. Faut que je vende. Pigment, on l'utilise pas, vas-y. Vire-moi ça. Il me faut 7. La rosée, ça se chauffe facilement. Les outils imprégnés, par contre, oh, ça coûte une blinde. Ah, ça coûte vraiment une blinde. On va faire une forge. Avec les pigments, on peut faire les ballots de commerce. Outils simples. On va interdire les outils. Oh, c'est du 2 pour 2, c'est kiff kiff.
Ouais, mais là, se consacrons aux planches. Oh, on coche les deux, vas-y, dans le doute. Putain, 10 minutes. Putain, mais elle me déteste les harpies, du coup. J'ai une résolution de merde. Attends, mais 10 minutes, ça veut dire quasiment un an, c'est... Ça fait ultra mal, hein. Attends, Pierre... Ça, en vrai, je pourrais le balancer, ça me casserait pas le cul. La pierre de la moelle marine, on en a. On a encore, même. On a même beaucoup ici. C'est les grands dépôts, par contre, j'ai pas le bâtiment pour ramasser. Mais il y a des petits ici. C'est pas la fin du monde. Voilà, il y a la résolution globale qui est baissée. Normalement, on va prendre plein de réputes. Hein. Ah, c'est bien ça. Monastère, on avait besoin de ça, non? Oh, maison des harpies. Oh, oh, taverne, monastère, maison des harpies, il me faudra les trois. Je vais prendre les harpies parce qu'on va vraiment créer une méga colonie, quoi. C'est une co-colonie. Putain, faut que je fasse 8 maisons de harpies. Oh mon dieu. Ça fait 4. On peut pas améliorer les abris, sérieux? J'ai perdu le compte. J'étais à 5. 6, 7. Non. 7. 8. On va en faire 2 d'avance. C'est considéré comme animaux viande. C'est considéré comme viande. Putain, on n'a pas de lézard, fait chier quoi. Ok, on a résolu la caravane. Tic-tac. Putain, sûr. Script briqueterie. Oh, briqueterie, la rosée cristallée, ouais. Et les putains de briques aussi. Mais tout est bien, en fait. On peut utiliser des légumes. C'est officiel, ce bâtiment ne me sert plus à rien dès que la briqueterie est finie et n'a pas besoin de... Alors pas que je me plante, station de travail primitive. Oui. On va faire une... La maison de Warpy. Faudrait que je mette un castor dedans, mais je n'ai pas assez. Parce que là, fabrique poterie et les outils ont été remplacés pour la forge. Oh, les harpies là, je suis en résolution haute alors que je leur ai interdit des trucs. Ça, c'est putain de bon signe. Ça, ça fait plaisir. Combustible, on est vachement bas par contre. On est très très bas même. Trop de planches qui sont faites. On est à combien en planches? 70. On va limiter à 100.
fibre épée. C'est bien, ça fait bouffer. 3 minutes 30 la requête. Bonheur des harpies. Pigment, tissu, production de brochettes. Je vais éviter de le valider avant la tempête, ça risquerait d'augmenter vos cités et c'est pas quelque chose que je veux faire. Ça. Alors, on va enlever des castors. Oups. Retomber au cité 1. Le temps de la tempête. Les harpies sont in love avec nous là. Ça c'est les maisons. Petit camp de cueillette. Non, on n'a plus rien à cueillir. Fait chier. Viande cuir, c'est galère. On va leur donner des légumes. Oh, quoique 5 légumes pour faire de la viande. Ça demande pas la même... Ça demande pas les mêmes choses. Les œufs. Oh putain, ce jeu il est méga complexe et ça me donne une bonne demi-molle rien que de lire à chaque fois. Hein, parce... J'aime bien les jeux bien complexes, bien prises de tête là. T'as 8000 trucs à gérer et quand t'arrives un peu à faire ce que tu veux, c'est... Et puis c'est l'enquête. Ok, on a réussi à survivre. Ah bah je kiffe ce genre de jeu. De sang. Havre de paix, moins 40 à l'hostilité pour chaque relais amélioré à l'étape. À l'étape quartier ou supérieur. Le pack de sang, en vrai. Putain, c'est bien. Havre de paix ou pack de sang. Les deux sont ouf. Attends, moins 40 à l'hostilité pour chaque relais amélioré à l'étape quartier ou supérieur. C'est quartier, hein, du coup. Si je veux faire un deuxième foyer, ouais, je galère déjà. 3 harpies. Il dit qu'on devait prendre des harpies. Hein. Ouais. Tant bien, ça apporte des outils. Allez, pack de sang, parce qu'on a une trop grosse population. Je sens qu'à un moment, ça va déraper. C'est obligé. Ça va arriver. Putain, je suis en résolution haute alors que je lui ai interdit 3 trucs. Allez, la requête. C'est fini. Ok, on va apaiser l'esprit. Putain, je peux le faire qu'avec ça, t'es sérieux. Tout ça parce que j'ai pas mis de récupérateur d'eau de pluie, putain. Ok, on va leur donner le droit de faire ce qu'elles veulent. Voilà. Ah, du coup, il te laisse. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien le système des fantômes. J'adore. Un dépôt à proximité. Alors, vous inquiétez pas. Trois grands dépôts juste là. Ah, bah parfait. La résolution est haute. On peut valider. Point de réputation, s'il vous plaît. Logis des explorateurs.
Ah merde, ça arrive un peu tard. Monastère. Wow, j'ai plus tellement la place. Ça devient un peu chaud là. Tac. Allez, ouvre-moi ça. On est encore en bruine. Ballot de matériaux de production. De construction, pardon. Article de luxe, commerce. Article de luxe, je pouvais pas en faire un bâtiment. Si. Je peux pas en faire. C'est une clairière normale. Ah, des dépôts d'argile. Putain, il était en champ de blé marécageux. On va pas plus forcer. Breuvage vert. 12 vapeurs semblent racénérer. Ouah, jamais entendu ce nom, ce mot de ma vie. Les étendues sauvages, l'hostilité réduite de 100. Oh, j'ai des castors. Oh, attends, les bâtiments. Ah, si on a des castors en trop, c'est génial. Non, je sais, ça y est remis. Ouais, c'est juste qu'on a eu de en plus. Oh, on a eu plein d'ambre. Obtenez 4 fibres de plantes pour chaque production de 12 légumes. Des meubles qui sont plus que les bienvenus. Plus 1 supplémentaire de résolution pour les villageois ayant une maison. Oh ouais, ah putain, indispensable. Manteau production plus 2, c'est un peu gadget. Qu'est-ce qui nous manque là, concrètement? Champignons. Les outils. J'en ai besoin. Ça se produit pas assez vite. Champignons. Pas mal. Couteau de poche, 4 films de plantes pour chaque production, 12 légumes. C'est pas mal, hein. Est-ce que je pourrais leur filer de plus? Si jamais je dois faire un deuxième foyer. Oh, j'en ferai pas de deuxième. Allez. C'est des ressources qu'on a déjà. Ah, problème. On est repassé en niveau 1 d'hostilité, c'est le bonheur quoi. Résolution haute avec tout le monde là, c'est. Putain, ça fait plaisir. Hein. On a pris un point de réputation. Boulangerie. J'ai pas de farine, problème. Malheureusement, c'est ce qui me débloque le plus de choses, la boulangerie. Putain, ce bout d'arme là, il me fait chier. Avec ce bout de chemin aussi, il me fait chier. Je vais prendre un cambuchon, je vais l'amener.
bouffe, c'est pas du tout un problème. C'est assez rare. C'est le combustible qui fait chier. Débloque encore une clairière. Combattez votre production. Attends, est sérieux. Construction. Poste de fortune. Ah putain. Putain, sérieux, avec tout ce que j'ai débloqué, j'ai pas eu un bâtiment qui faisait les ballots de construction. Merde. C'est bon, on n'a pas de sans-abri. Pas de résolution élevée. C'est ma foi fort dommage. On va enlever un castor, juste pour retomber en 1. Histoire de moins perdre, entre guillemets, de résolution. C'est chaud, hein. Ni compliqué ce jeu, mais pas compliqué au point d'être possible à apprendre et de niquer le fun. C'est ça qui est dur dans les jeux de gestion, de stratégie et de simulation. Faut faire un truc qui est compliqué, mais fun. Faut trouver la bonne barrière entre les deux. C'est comme les jeux de société. Tenez chaque ballot de provision pour chaque nouveau villageois. Ouais. Spécialisation, on vient d'embaucher des chasseurs d'exception. Mais je vais prendre le... Vas-y, spécialisation, on vient. Putain, t'es sérieux, il va falloir que... Et toujours les harpies là. 22. Faut ouvrir une zone. Vraiment, faut que j'ouvre une clairière. Ici, let's go. Dépenser mes outils, mais ça galère. Ça galère à cause du cuivre. Putain, j'ai plein de terres agricoles et j'ai pas de aucun bâtiment pour faire les champs, quoi. Vite, pendant que c'est la bruine. Bon, par contre, le bonus richesse inexploitée, c'est vraiment meilleur. Hein. 50% de chance de collecter des ressources en plus quand ils exploitent des dépôts de ressources. C'est ouf. Oh, c'est pas le truc qui détruit tout là. Oh, les composants, ça coûte cher. 4,30. Si était augmenté de 400.
Comment ça se fait que la rosée étincelante, on en est si peu? C'est utilisé pour les barres de je sais plus quoi? Ah, c'est utilisé par la briqueterie. Il y a un marchand qui arrive bientôt ou pas? 3,40. Oh merde, c'est grave long, 3,40. Maison pour humains. Bon, bah tant pis, hein, on va utiliser des composants. Hostilité 6, quoi. Abusé. Démonter ça. Maison pour humains, on en a déjà. Tout le monde est logé d'ailleurs. Non, faut deux maisons d'humains et. Et deux maisons d'humains, c'est tout. Attends, les bancs, on va les bouger dessus. À l'époque, on n'avait pas de place. On peut faire une rotation, c'est trop joli au niveau de, du monastère. Maison pour humains, on disait. Là, typiquement, j'ai pas envie d'ouvrir une autre clairière tant que j'ai pas fini Steven. C'est 400 d'hostilité, c'est ça fait transpirer. Hein. Je suis obligé de me limiter, sinon je fous en l'air mon économie. Hein. Cristallisé qu'on peut cristalliser qu'on peut faire des outils. Cueillette, c'est céréales, racines et des lugubres. Attends, je suis pas genre sur le point de terminer l'event. Ça file des ombres. Ça dépend qu'est-ce qu'il me propose. Minerai de cuivre, c'est pas ouf. Vitesse de déplacement, les bûcherons, ça je vais prendre par contre. La pierre. Ah, oh, les articles de cosmétiques, il m'en faut. Fou parce que j'en produis pas. Si je chope une harpie à la fin de la tempête, c'est good. Il vend pas d'encens. Ballot de matériaux de construction. Si, il en vend. Oh, let's go. 33. Oh putain. Je peux en vendre 3 de ça. Tac. Cuir gourde. On va compléter avec des herbes. Tout de suite mettre la pause. Putain, ils m'ont bouffé l'encens instant quoi. Ah, fais chier, putain. Oh. Ah, putain, je pouvais valider. Oh.
Taverne, hein. Putain, c'est un gros bâtiment. Comment l'encens? Putain, je pourrais finir l'émission genre tout de suite si j'avais pas fait n'importe quoi. Putain, j'étais persuadé que t'avais pas la pause automatique quand tu sortais d'un marchand, mais non, c'est faux. On va faire le truc moisi là. Putain, je perds un temps pas possible. Un pause de fortune. Si on va même en faire deux. Ballot de construction. Heureusement que les humains ils ont une résolution haute et que ça monte doucement. Début de la tempête. Cool, il n'y a pas de sans-abri parce qu'il y a la grêle maintenant. Et là, je refuse d'enlever par contre. Heureusement, qu'on a continué d'explorer, c'est pas un problème. Putain, l'encens qui s'est direct fait la malle, quoi. C'est pas grave, à la fin de l'année, on va avoir les immigrants, on va avoir forcément une harpie. Je pourrais valider comme ça. Par contre, j'avoue que le charbon. Putain, comment je vais faire du charbon, quoi. J'ai rien pour faire du charbon. Oh putain, faut que j'attende un marchand. Je peux forcer un marchand dès qu'on sort de la tempête. Je vais forcer un marchand. Il y a une chance pour qu'il me vende soit de l'encens. Chaque production de 20 mois de marine. Boulangerie production de 50%. De harpies. Allez, de l'encens, du charbon, s'il vous plaît. Oh putain, il y a du charbon. Pas d'encens. Ok, ça vaut le coup. Ne brûlez pas de charbon. J'en ai besoin. Tout le reste, vous pouvez le cramer. C'est bon. Waouh! Terre maudite. Gagner une partie dans les bois royaux maudits. Torrent corrosif, gagne une partie à proximité de l'altération. Torrent corrosif. Ah, ça compte pas pour les bûcherons, du coup, le torrent corrosif. Parce que là, moi, j'ai joué, mais en fait, dans mon esprit, ça touchait pas du tout, quoi. Genre, absolument pas, quoi. On a fait que deux au fait. Récompense, mur de confort. 50 d'XP. Pas gagner tant de bouffe que ça, là. Ça devient vraiment dur d'augmenter. Putain, les maisons pour harpies. Hein. Je vais regarder. Ah, franchement, on va commencer avec les plans de maison, c'est trop indispensable. Hein.
C'est avec charbon. Point d'embarquement. Champ de vision et hameau. Tous vos hameaux révèlent une plus grande portion de la carte du monde. Permet de voir une... au début d'un cycle. D'accord. Ah, on peut commencer avec des planches, briques, tissus et tout. Ouah, c'est ouf. Arrondissement. Anthropograntis, c'est de la merde, sérieux quoi. Mais par contre, les trucs après sont vraiment ouf. Hein. Arrondissement. Ça doit demander de l'esthétisme. Vu que d'abord c'est confort. Ah, mais attends, t'as confort, harmonie, esthétisme. Ouais, c'est ça. Ouais. La durée de combustion, chasse bénéficiaire. Bonus embarquement disponible en 20%. C'est un peu gadget. Mais après, commencer avec un camp d'herboristerie. Après, ah, mais c'est un bonus d'embarquement, donc faut le payer à chaque fois. Ah. Donc 60, donc j'ai pile pas assez. Tous les négociants offriront un pilier ou plan en plus à la vente. Franchement, les marchands, comment ça sauve la vie. Ça devient dur hein, de choisir. Ça devient très très dur. Bon, allez. Amélioration fondamentale. Permet de payer une quantité d'ampes pour recevoir une nouvelle donne sur les plans qui vous sont proposés chaque année. Les capacités de payer parce que vraie l'impatience c'est compliqué. Putain, ça se sent qu'on a augmenté la difficulté en deux villes, on est déjà à la moitié. Je crois que j'étais sur le point de finir ma troisième à ce stade sur le premier cycle. Qu'est-ce que c'est ça? Avant-poste royal. Proximité avec un avant-poste royal facilite les communications avec la couronne, augmente la sélection de choix de mission de 1. Les choix de mission, comment ça? C'est-à-dire qu'on peut choisir entre 3 missions. D'accord, oui, les missions in-game. Ah, oh, c'est ouf. 67. Et ça a l'air de rapporter double pain en plus. J'aimerais bien tester les marais un jour. Parce que ça tombe mal à chaque fois. Je vais être obligé de faire Boario pour la prochaine. Bon, ce sera tout. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la chaîne de FR, je vous dis naturellement, ciao à la prochaine !